Bonjour, donc moi c'est Mathieu, je suis menuisier et puis passionné de, pas de petites voitures comme on peut voir sur la table, mais de voitures à l'échelle 1 qui sont les Renault 5. Donc ces petites bêtes-là qui ont été créées par Renault en 1972. Et je les possède depuis une grosse dizaine d'années. Je les collectionne ou je voue un peu ma vie à ça puisque j'ai créé une association. Je participe à différents rassemblements, à différentes actions pour la Renault 5 et pour en profiter, rouler avec au quotidien. Et du coup, j'en possède déjà une petite trentaine. Cette passion m'est venue de. M'est venue. C'est plutôt mon père qui m'a un peu imposé d'avoir une Renault 5 et puis n'en voulant pas, j'ai fini par quand même par l'accepter, l'abîmer. Et puis une sorte de déclic ou je ne sais quoi s'est créé et puis j'ai décidé d'en acheter plein. Dès que j'en croise une, dès que j'en vois une, j'essaie de l'acheter et puis je l'entretiens, je la stocke et puis j'en profite. Là on voit une des déclinaisons les plus musclées, hein, la Renault 5 Turbo, qui est la paire la plus intéressante pour les collectionneurs de Renault 5. Celle-ci, c'est la plus performante, la plus puissante, la plus folle. Cette passion-là, je la vis avec ma femme, puisque évidemment, elles sont toutes dans le garage, ces voitures-là. Elles sont utilisées pour partir en vacances. Ma passion, bon, c'est effectivement la Renault 5, un petit peu donc la mécanique, j'adore ça, puisqu'on a créé un atelier qui nous permet d'entretenir toutes nos voitures. Puis à côté de ça, j'ai ce petit bolide-là, avec lequel je passe quelques week-ends dans l'année avec ma compagne. Encore une fois, on essaie de tout faire ensemble, sans que ça devienne non plus un poison, mais on participe à des compétitions de voitures radiocommandées. Et bien sûr, comme c'est ma mécano, c'est elle qui gère les réglages, les pleins et tout le planning d'une course, puisque les courses durent des fois plus d'une demi-heure, non-stop. Donc, on a un local. Un local, on l'appelle maintenant l'atelier, parce que c'est un petit peu plus classe que locale, et dans cet atelier, on a stocké toutes nos voitures en commun. Ça nous permet d'en profiter ensemble et pas simplement chacun dans son petit garage avec ses petits outils. Tous les outils sont regroupés et nos voitures donc sont entretenues ensemble. Donc on se retrouve des fois à 3, à 4 et jusqu'à 6, mais 6 personnes regroupent cet atelier. C'est un atelier où il y a maintenant 70 Renault 5, pas toutes roulantes. Mais ces 70 Renault 5, elles attendent leur tour. Et puis on y va des fois pour rien. En fait, on passe une soirée à juste regarder nos voitures, en démarrer une ou deux, et puis rentrer après un bon moment de plaisir au milieu de notre royaume.